Alors, je suis Monsieur Tibus Armand Sabourin, manager général de la Fondation Prophète Joël Crasto, Espoir de Vie. En ce jour, jeudi 21 décembre 2017, nous sommes à moins de 11 jours ou à 10 jours de la fin de cette année 2017, une année qui se termine bien. Alors, dans le cadre des activités de la Fondation Prophète Joël Crasto, Espoir de Vie et de l'orphelinat, je voudrais tout d'abord rendre gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, vraiment qui ne nous a pas du tout abandonnés, qui nous a soutenus et qui a soutenu son serviteur, n'est-ce pas, le directeur fondateur de la Fondation Prophète Joël Crasto, Espoir de Vie, le prophète Joël Crasto, qui véritablement a consacré durant tout ce temps depuis l'ouverture de cette fondation, depuis le 15 février 2017, date d'ouverture de cette fondation. Je dis que le serviteur de Dieu, en tout cas, consacre toute sa vie en dehors de son ministère, qui est de véritablement délivrer des gens, arracher ceux qui sont possédés par la sorcellerie et qui s'est investi dans la survie, n'est-ce pas, des enfants abandonnés, des enfants déshérités, des enfants démunis et des orphelins, notamment dans notre région, le Lot du Bois et de la Côte d'Ivoire, puisque les enfants viennent de partout. Alors, ce qui m'a certainement marqué, parlant déjà du bilan, nos enfants ont eu d'abord des difficultés à s'insérer dans le circuit scolaire, alors que les enfants, dans la Charte internationale des droits de l'homme, l'enfant a droit à l'éducation. Alors au départ, c'était un peu compliqué puisque l'administration, certaines personnes ont voulu nous mettre un peu des ballons, des bâtons dans nos roues. Mais inspiré, le serviteur de Dieu, le prophète Joël Crasto, fondateur de cette fondation, alors a eu le flair d'aller inscrire les enfants dans un centre, n'est-ce pas, un centre assez organisé, un centre aussi qui a véritablement pour credo la crainte de Dieu. Et je pense que c'est le lieu de féliciter, n'est-ce pas, l'administration de cette école qui nous a accueillis, qui a accueilli tous nos enfants. Et je lui disais que ma joie est à son comble pour dire que nos enfants, vraiment, qui sont même entrés en retard avec quelques deux semaines ou trois semaines de retard sur les autres, nous ont satisfaits en nous accordant de meilleurs résultats. Alors je dis les meilleurs résultats sur les 100% d'enfants, n'est-ce pas, inscrits dans cet établissement, parce qu'on ne peut pas faire de publicité, sur les 100% d'enfants, franchement dit, on a pu obtenir 90% de bons résultats. Quand je dis bien 90% de très bons résultats, où plus d'une trentaine de pourcentages sont entre premier et sixième de leur classe, ce qui a marqué cet établissement pour dire que vraiment Dieu est avec nous, Dieu est accompagné de son serviteur de Dieu, le prophète Joël Crasto, dans toutes ses actions qu'il mène. Le résultat est là. Quand on s'engage à 100%, quand on aime son travail, alors je tire chapeau à cette équipe, n'est-ce pas, qui encadre notamment les enfants. Alors, vraiment, je suis, j'allais le dire, très ému. Voilà, très très ému parce que, annoncé, nous sommes en face de ce défi qu'on a réussi à relever en moins de 3 mois. Les enfants sont des champions et cela grâce à des personnes qui ont consacré leur vie, leur temps, n'est-ce pas, pour que nous ayons ce bon résultat que j'ai annoncé tout à l'heure. Alors, les enfants, est-ce qu'on peut s'applaudir parce que vous êtes des champions? Alors, ces enfants ont véritablement honoré la Fondation Prophète Joël Crasto, Espoir de Vie, et cette satisfaction, n'est-ce pas, on le doit à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, mais on le doit aussi, n'est-ce pas, à ce grand homme au grand cœur, le prophète Joël Crasto, président fondateur de la Fondation Prophète Joël Crasto, Espoir de Vie, que je demande aux enfants. Alors,
le résultat de ce trimestre qui véritablement nous a agréablement surpris, n'est-ce pas, est dû au travail couplé des personnes qui ont consacré leur temps, leur vie, parce qu'ils aiment leur travail, ils aiment les enfants, ils ne sont pas choisis pour rien, ils ne sont pas à la tête de cette structure pour rien. C'est parce que ces personnes même aiment Dieu et ces personnes ont compris, n'est-ce pas, la vision du prophète Joël Crasso, président fondateur de la fondation prophète Joël Crasso, Espoir de vie. Alors, la directrice de cette fondation qui va se présenter. Bonjour, je suis Mademoiselle Olivia Gueli, directrice de la fondation prophète Joël Crasso, Espoir de vie. Et le grand monsieur, l'artisan, n'est-ce pas, de ce résultat qu'on a connu hein, pour ce trimestre. Alors il va se présenter, papa des enfants. Bonjour, je me nomme moniteur Adikona Zéphirin. Comme je l'ai dit, je suis moniteur éducateur. Et pour encore merci à madame la directrice, merci à papa Modi pour véritablement cette cohésion. On dit l'union fait la force et c'est à l'unisson, n'est-ce pas, qu'on a conjugué ce qui a permis à nos enfants d'être des champions et des champions. Vous devez applaudir pour madame la directrice. Et également applaudi papa Moni. Ils ne sont pas seuls, nos mamans qui permettent à nos enfants de manger, on va les applaudir aussi. Pas l'équipe qui gagne, on a deux charmantes mamans qui s'occupent de la santé des enfants. Alors toutes ces dames, on va. Voilà, madame la directrice va s'exprimer et donner justement son point de vue par rapport à ces résultats obtenus en moins de 3 mois. Oui, déjà on vous remercie, mais on dit d'abord merci à Dieu parce que ces résultats ont été possibles par la grâce de Dieu. Voilà, vous savez, comme vous connaissez l'histoire de ces enfants, ils ont passé plusieurs années à la maison, faute de moyens, 4 ans, d'autres 3 ans. Et la rentrée scolaire n'a pas été vraiment facile pour nous. Ils ont eu du retard. Malgré ce retard, avec l'aide de Dieu et l'équipe gagnante, on a obtenu les meilleurs résultats. Même l'école vous félicite. Donc pour ça, nous disons merci. Merci à Dieu, merci au prophète Joël Crasso et merci à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent en prière. Que Dieu vous le rende au centuple. Voilà, à la suite de madame la directrice qui ne peut plus se contenir parce qu'elle est toute heureuse, n'est-ce pas, par rapport à ce résultat produit par nos Butsu. Alors, la personne qui joue le rôle de père et à la fois le rôle de gardien qui veille sur le bon fonctionnement, n'est-ce pas, de la fondation, en consacrant son temps, n'est-ce pas, à la disposition des enfants, alors au four et au moulin, il est obligé non seulement de donner une éducation spirituelle, mais de veiller à ce que les enfants puissent bosser, et puis également, il pense à comment divertir les enfants, comment les enfants peuvent se retrouver, n'est-ce pas, pour le passage de l'école à la maison et à des séances de jeu. Il est mieux placé, n'est-ce pas, pour dire à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui croient, n'est-ce pas, en cette fondation prophète Joël Crasso Espoir de vie. Papa Moni, n'est-ce pas, comment ça se passe et comment on est arrivé à ce résultat? Vous êtes un habitué. Nous bénissons le Seigneur. Comme a dit la directrice, la plupart de nos enfants ont fait beaucoup d'années à la maison. Et depuis qu'ils ont été scolarisés, en tout cas, nous avons toujours fait de notre effort pour leur faire appliquer un emploi du temps qui a été conçu par la direction. Après, dès qu'ils arrivent de les connaître, ils vont prendre le petit bain. Et puis bon, déjà, chacun prend son quotard. Sur la direction de la directrice, et ils commencent déjà à réviser leurs leçons. Après donc, 30 minutes, bon, on les appelle pour leur repas du soir. Et puis maintenant, la grande étude aussi, on peut ainsi s'exprimer, commence toujours sur la supervision, sur nos supervisions. Et puis bon, après, on a 30 à 40 minutes pour essayer de réviser et de nous dire ce qu'ils ont appris. Et bon, c'est comme ça.
du lundi jusqu'au vendredi. Le samedi est réservé pour qu'il n'ait pas trop de pression, il s'amuse. Et voilà le résultat que ça a produit. Et nous sommes heureux. Ils sont bien. Voilà, ça va. Vous pouvez même attendre quelques-uns qui vont s'exprimer. Il y a eu des premiers parmi nous, il y a eu des cinquièmes. Il y a eu des, voilà. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous sommes des champions. Et les champions sont là pour gagner. Alors nous allons donner la place. Nous allons. Il faut que ça lui revienne de droit. Le droit revient à la directrice de pouvoir vous présenter le travail des champions. Nous avons des champions. Madame la directrice. Voilà, comme mon collaborateur vient de le dire, nous avons des champions ici et les preuves sont palpables. Voici un exemple fier, un exemple qu'on a envie de vous montrer, François. Cet enfant, il a fait plus de 4 ans sans aller à l'école. Tout le monde connaît son histoire, c'est un enfant abandonné. Et c'était vraiment pas facile. Il y a eu des soirs où François venait me voir, maman, je comprends pas, c'est difficile, ça va aller. Ça va, tu es champion, quand on est champion, quand tu veux, tu peux. Donc aujourd'hui, voici François, qui est quatrième de sa classe. Après 4 ans à la maison, c'est à féliciter. Donc lui-même, il va dire un mot au prophète. Ce que j'ai à dire au prophète, c'est que je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour moi. D'ailleurs, ce que la directrice a dit, c'est moi, j'ai fait 4 ans sans aller à l'école. Et aujourd'hui, je suis devenue quatrième de ma classe. Et j'ai 13 aiguilles, 11 aiguilles de moyenne. Et je lui dis merci, que Dieu bénisse son respect. Amen. Amen. À côté de lui, nous n'allons pas aller loin, nous avons Axier Dramé. Cet enfant aussi, il a fait 4 ans, il est orphelin de père. Donc il a fait 4 ans à la maison sans aller à l'école. Mais cet enfant nous a fait honneur. Il est premier de sa classe. Et la maîtresse de mes surprises, elle dit merci à tout le monde. Elle est dépassée par les faits. Donc lui aussi, il va dire bon au prophète. Je veux dire merci au prophète pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que si je peux maintenant, je vais lui dire merci parce qu'il m'envoie ici et qu'il m'a mis à l'école. Nous passons maintenant à Espérance. Cette petite est très maladive, vraiment. Elle a fait aussi des années à la maison et elle a un souci de santé. C'est un autre, vraiment notre souci. À chaque fois à l'hôpital, elle est très anémique. Donc on a tout mis à sa disposition. Actuellement, plus de maladies par la grâce de Dieu. Elle nous a fait honneur aussi. Elle est deuxième de sa classe. Je vais dire merci à mon papa le prophète parce qu'il m'a envoyé ici, m'a mis à l'école. Il a prié pour moi pour ne plus que tombe malade. Moi, je vais dire merci au prophète parce qu'il m'a mis à l'école ici, deuxième de ma classe. Il y a eu 9, 8, 0, 0, 6, 10. Moi, c'est aussi là, je vais dire au prophète que Dieu le bénit, qu'il bénisse son ministère. Manenga Angèle Massandier. Donc au moment de mettre les enfants à l'école à la rentrée scolaire, on a soumis son cas à l'inspecteur et il nous a proposé de la mettre dans une école de formation. Vu l'âge très avancé, elle ne pouvait plus aller à l'école au primaire. Donc nous avons mis dans une école de formation. Elle apprend à lire, elle apprend aussi à écrire et elle va vous montrer le fruit de son travail. Ses maîtresses aussi la félicitent. Bon, je veux dire merci au prophète Joël Casso et merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et grâce à lui, aujourd'hui, j'ai eu le courage de faire un ouvrage qu'on nous a donné à l'école. Donc je veux lui dire merci, que Dieu bénisse son ministère, qu'il lui donne longue vie. Et merci pour le travail qu'il a fait pour moi. À la formation, nous n'avons pas que des primériens, il y a aussi des enfants qui sont au collège. Voilà, nous encadrons aussi les enfants du collège et nous avons aussi les meilleurs résultats ici. Elle est les premières, elle est les septièmes, on a les meilleurs résultats ici. Elle déjà, elle a fait 3 ans, elle est en troisième, elle a fait 3 ans à la maison sans aller à l'école. Donc comprenez que être septième après 3 ans à la maison, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc on va la laisser dire un mot au prophète et à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Je vais maintenant mademoiselle Gourou, je suis dans l'école.
Je voulais dire merci au prophète Joël Crasso pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a scolarisé, il m'a mis dans cet orphelinat pour que je puisse bien étudier. Parce que ça me fait 3 ans que je n'avais pas d'école. Donc je voulais dire merci parce que j'étais 7e de ma classe avec 15 minutes. Ils ont même de moi. Je lui ai dit merci. Donc maintenant on va laisser la déléguée des élèves du collège dire son mot au nom de tous les enfants qui sont au collège ici à la fondation. Je me nomme Yébéni Niazalé Anester en classe de 3e. J'ai été première avec 16,21 de moyenne. Je voudrais remercier le prophète pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a scolarisés, il nous a mis dans son orphelinat, il nous donne à manger. Je voudrais bien lui dire merci et que Dieu lui donne longue vie. Merci. Donc déjà, nous allons dire merci à l'Éternel des armées, au Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous ayons tous ces résultats. Nous disons merci au prophète Joël Crasso. Disons merci aussi à toutes ces personnes qui nous soutiennent financièrement, moralement, spirituellement. Que Dieu vous bénisse infiniment. Quand nous voyons ces résultats, nous sommes plus que heureux parce qu'on sent qu'on n'a pas enlevé nos manteaux de responsable pour mettre le manteau de répétiteur, répétitrice de maison. Donc nous sommes heureux. Je vais laisser la parole au moniteur, à mon collaborateur qui nous a aidé. Merci au Seigneur, merci au prophète. Et il peut déjà être rassuré de notre soutien. Nous sommes prêts à l'accompagner parce que nous sommes ici avec des champions et des championnes. Champions? Oui! Champions? Oui! Champions? Oui! Nous sommes des gagnants, toujours debout pour devenir meilleurs. Nous sommes debout pour devenir les meilleurs. Le champion, c'est debout pour devenir les meilleurs. Alors, en tout cas, voici le résultat. Et vous l'avez constaté, vous voyez, quand Dieu se saisit d'une institution, quand Dieu, n'est-ce pas, dit oui à quelqu'un qui voit dans sa direction, Dieu ne l'abandonne pas. C'est ainsi que Dieu n'a jamais abandonné, n'est-ce pas, le président fondateur de cette fondation, le prophète Joël Crasso, espoir de vie. Et Dieu a mis sur son chemin des vrais champions pour encadrer notamment les enfants. Madame la directrice, elle est championne. Papa Moni est champion. Nous sommes tous des champions. Et ce n'est pas tout. Même les enfants que le prophète Joël Crasso, à travers sa fondation, n'est-ce pas, soutient en dehors, n'est-ce pas, de l'orphelinat, qui sont répartis dans les villages, les campements, les quartiers, les bas-quartiers. Ces enfants aussi qui ont bénéficié des fournitures scolaires, n'est-ce pas, de l'assistance financière, n'est-ce pas, ces personnes et ces enfants ont été des meilleurs, le résultat est très propre. Vous aurez l'occasion, parce qu'on aura un reportage qu'on va permettre au monde entier d'apprécier. Alors, c'est ce que je ne comprends pas. Le prophète Joël Crasso, il est unique en son genre. C'est un serviteur de Dieu, vraiment un appelé de Dieu et quelqu'un que le Seigneur utilise efficacement parce que tout ce qu'il touche, si tu étais KO, tu deviens OK. Si tu étais vaincu, tu deviens vainqueur. Alors nous disons avec vie, nous disons avec force que réellement nous sommes tous des champions.